Salut, c'est MegaDriver16, je vous retrouve sur le jeu Tour de France 2016 pour un nouveau tour avec Fabio Arou de l'équipe Astana, comme vous aurez pu le lire sur le titre de cette vidéo. Alors le concept, ça va être un tour relativement rapide, hein, 3 vidéos je pense pour les 3 semaines de tour. Et j'ai décidé de faire ce Tour de France avec Fabio Arou juste après l'étape 20 de Morzine, quand il a connu sa terrible défaillance, alors que jusque-là, son tour était, on va dire, honnête, il était dans le top 10, il avait eu quelques petites faiblesses de temps en temps, mais bon, il était encore bien accroché dans le top 10, il avait même fait un très beau contre-la-montre à la 18e étape. Ce qui fait qu'on pouvait s'attendre à un petit peu mieux, en tout cas à ce qu'il termine ce tour dans le top 10 au moins, voire même le top 5, ça se trouve. Mais bon, voilà, il a connu cette terrible défaillance et ça m'a quand même fait bizarre de voir ça, ça m'a même un petit peu peiné. Donc j'ai décidé, suite au visionnage de cette étape, de vous proposer un Tour de France avec l'équipe Astana dans les conditions du tour. Dans la réalité, puisqu'on va se prendre l'effectif qu'ils avaient utilisé ce Tour de France. Alors j'attends pas la mise à jour que va effectuer Cyanide avec les effectifs et les statistiques, puisque j'avais vraiment envie de le faire là sur le coup, après avoir vu cette étape de Morzine avec sa terrible défaillance. Mais c'est vrai qu'après, en plus, il risque peut-être, je ne sais pas hein, comment ça va se passer, mais d'être un petit peu baissé. Bon, pas non plus énormément, hein, tout le monde peut avoir une défaillance, mais bon. Je ne sais pas, en tout cas, je ne voulais pas attendre, je vous la propose maintenant. Donc, il n'y avait pas Lars Boom, il y avait Fulsang, il n'y avait pas Gardini, il n'y avait pas Scarponi. Donc, on va tout de suite remplacer Boom. Il y avait Rosa, par contre, le puncher, qui nous propose quand même un beau 77 en montagne. Donc, l'Italien Rosa, comme dans la réalité, fera partie de l'effectif. Fulsang, Nibali, Arou, bien évidemment, ils sont là. Guardini, eh bien, on va le remplacer par Grifco, hein, qui n'est pas présent ici. Le voilà, Grifco, qui est aussi puncher de 33 ans, qui lui a 75 en ballon, 70 en montagne. Bon, ok. Ensuite, l'Italien expérimenté Scarponi n'y figurait pas non plus. On va le remplacer. Alors, qui c'est qu'il y avait? Je regarde mes fiches. Il y avait Tiralango, Lutsenko. Tiralango, le voilà. 39 ans, un très expérimenté grimpeur de la formation. Donc, avec un 76 en montagne, oui, pourquoi pas. On va le prendre. Et enfin, donc, Bedunsenko et Klangert, ils étaient bien présents. Donc là, a priori, on a bien l'effectif qui s'est présenté au Tour de France dans la réalité 2016 pour l'équipe Astana. Donc on va revérifier vite fait les statistiques de Fabio Arou, qui a quand même de très bonnes notes. Hein, 81 en vallon, 82 en montagne, récupération excellente de 81. Où est-ce qu'il pêche un petit peu le contre-la-montre? 70, c'est quand même honnête. Donc voilà, il est peut-être un petit peu moins fort, effectivement, que son aîné Nibali, mais qui va se mettre à son service, même si on a vu quelquefois, il avait quelques cartes blanches. On a Rosa, qui peut nous aider en montagne, bien sûr. Tiralango aussi. En montagne, mais Grifco, je ne sais pas trop, il peut nous servir sur le plat particulièrement. Peut-être une ou deux échappées, d'ailleurs, quand je regarde un petit peu mieux, ouais. Fulsang, ben ça c'est pour nous aider à la montagne. Klangert aussi, hein, il y a quand même une très belle étape, équipe Astana, hein, qui s'est présentée sur le tour et qui a quelquefois roulé, d'ailleurs on se demandait, il roulait, comme à Finot et Mosson à un moment, et puis finalement Arou qui n'attaque pas derrière. Bref, ici on a Luis León Sánchez, ah oui, très très bon coureur que j'apprécie, lui aussi on pourrait le mettre dans des échappées, même si il est aussi dédié à la montagne potentiellement. Et Lutsenko qui est polyvalent aussi, on l'a vu à l'avant de la course, hein, régulièrement dans les échappées, il me semble. 77 en vallon, 78 sur le plat, ouais, lui il peut tenter des échappées. Donc on a bien vu là, on va pas jouer les sprints, hein.
Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un tour vraiment très, très condensé, en tout cas sur les étapes de plat en particulier, où on va vraiment tout jouer pour le classement général de Fabio Aru. C'est parti pour ce tour de 21 étapes avec la première étape, Mont-Saint-Michel-Utah-Beach. On se retrouve a priori dans le final de cette étape. Et vers Utah-Beach, on se retrouve 3 km de l'arrivée. Fabio Aru protégé par Lutsenko. D'ailleurs, c'est à Wislan Sanchez que j'ai décidé de demander de me protéger. On a Arthur Bichou, le champion de France, juste à côté. On va pas se mêler au sprint, hein. Là, c'est simplement arriver avec les bons coureurs. D'ailleurs, on n'est plus que 94. Il y a eu de la cassure ou quoi? On va jeter un œil derrière. Ouais, tout le monde devrait arriver quand même dans le même temps, je pense. Avec, tiens, j'ai pas vu qui était premier. Eh bien, c'est Nasser Bouhanni, hein, qui peut en profiter pour remporter des sprints avant la mise à jour, puisqu'effectivement, il ne sera pas dans l'effectif Cofidis une fois la mise à jour de Cyanide effectuée. Mais bon, voilà, il a bien fait l'en profiter. Nasser Bouhanni devant Kittel, devant Cavendish, devant Arnaud Démare. Voilà un petit peu pour les premiers sprinteurs. Nous, on est bien arrivés dans le bon groupe. On regarde vite fait s'il n'y a pas une cassure. Vu que dans le final, on voyait un petit peu. Bah non, finalement, il n'y aura pas eu de cassure, mais je m'en doutais. On va tout de suite se retrouver pour la prochaine étape. D'ailleurs, j'avais un objectif. Finir dans les 20 premiers de l'étape avec Lutsenko. Il a réussi à le faire tout seul. Très bien, c'est parfait. On va donc se retrouver dans le final de la deuxième étape, Cherbourg-Rugueville, où il va falloir prendre la main avec Fabio Aru, à mon avis, parce que des petits écarts peuvent éventuellement se créer. Et on est à 10 km de l'arrivée. On peut avoir une petite situation de course avec 5 coureurs à l'avant. Van Mark, Machado, Tepstra, Backlund, Smolar. Moi, dans l'équipe Astana, j'ai demandé à ceux qui ne vont pas m'être utiles de finir tranquille. Par contre, Wislan Sanchez me protège. Et qui protège Nibali déjà? C'est Grifco. Donc, on peut demander. J'ai laissé Fulsang aussi au cas où. Dans le coin. Et là, je vais leur demander d'ailleurs peut-être d'attaquer. D'attaquer, peut-être pas. Mais de relayer à 100% pour Wislan Sanchez. Et on va essayer de le suivre avec Fabio Aru, qui a quand même un excellent état de forme. Allez, Luis. Il essaie de sortir du peloton. Attention. Ah, ben Valverde, c'est pas étonnant. Bon, finalement, pour Luis, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Ah, Luis, il peut plus, hein. Donc, on va demander plutôt à Nibali de rester dans son groupe, s'accrocher à 100%. Et aussi d'ailleurs, tiens. Il fait rouler son équipe car c'est un des favoris de l'étape. Tu devrais te débarrasser de lui. Nous, comme vous avez vu, on a un excellent état de forme. Alors, on va essayer de rester avec les meilleurs punchers, tels que Valverde qui part immédiatement d'ailleurs. 5 km de l'arrivée. On en remet une petite couche là. L'échappée commence à être dangereuse. Faut se mettre à rouler, les gars. On va prendre son ravitaillement bleu. Tiens, il y a la Philippe qui est revenu. Oh là 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 là, plus que 3 km et c'est très serré. Rien n'est encore fait. Et là, on va reprendre du rouge. Il durcit la course. Ouh, ça part vite, hein, côté Valverde. Les coureurs entament les pourcentages les plus difficiles. Allez, allez, c'est allez, Aru qui est pas mal quand même là. On fera les comptes après. Ça y est, on n'a plus rien. Allez, Fabio Aru, ce serait bien de passer ceux de devant là, comme ça on a une troisième place. Synonyme de rien du tout, parce qu'on est à 1 km de l'arrivée, c'est dur là. On n'a plus de rouge. Ils sont où là, les Valverde et tout ça? Il est pas loin, Valverde. Valverde, il va nous griller notre troisième place, j'ai l'impression.
Oh, j'ai cru qu'on arriverait un petit peu à sprinter là. Et Valverde, on va dû tenir la dragée haute. Non. Eh non, même en jetant le vélo, on ne fera pas mieux que quatrième juste devant Alaphilippe, mais quelques secondes devant les autres favoris. Eh bien si, finalement, c'est la bonne surprise. Je vais perdu de vue là le... A priori... Le classement hein, que je suivais en bas à droite, puisque je suis troisième finalement. C'est Backlund qui s'impose, il était juste devant nous. Hein. Finalement, c'était bien celui-là, coureur d'AG2R en excellente forme. Valverde aussi, excellente forme. Et Haru, excellente forme. Voilà les trois hommes aux trois premières places, et ça nous fait prendre quatre petites secondes de bonification intéressantes. Surtout qu'on va regarder. Et oui, on voit Dan Martin, 29 secondes déjà. C'est souvent Wout Poels hein, qui fait mieux d'ailleurs que Christopher Froome sur cette étape. Wout Poels, bien évidemment. Très très bon puncher, mais bon, dans l'absolu, il devrait rester avec son leader. Warren Barguil, excellente forme à 29 secondes, tout comme Pino, Bock Mollema, Contador 29. Après, c'est un peu plus loin, regardez, Bardet 34, Quintana 34, Porte 39, Froome 45. Ouh là là, ça leur fait mal quand même, hein, sur une simple étape comme ça, même si un petit peu vallonné, à Cherbourg. Eh bien oui. Eh bien oui, on commence déjà, on a déjà 49 secondes d'avance avec les bonifs d'avance sur Christopher Froome. Donc voilà, le classement général, c'est le classement de cette étape en gros. Donc c'est pas mal finir dans les 10 premiers avec Haru, c'était un objectif. On va pouvoir enchaîner avec l'étape d'Angers. 3 km de l'arrivée à Angers, étape de plat, étape sur laquelle Fabio Haru doit se contenter de ne pas perdre de temps, pas être victime de chute ou de cassure. Et bien pour le moment, ça a l'air de bien se dérouler. Les sprinteurs vont s'expliquer. Moi, j'ai Luis Leon Sanchez en protection. Aïe, qu'est-ce que je fais là? Oh là là, ben voilà la fameuse chute dont je craignais. Oh, ça continue, c'est moche. Oh là là, l'énorme chute. Et oui, est-ce que ça va provoquer des cassures d'ailleurs? Bon ben nous on va continuer, d'un autre côté il y a la règle des 3 km, hein. Je crois qu'elle est aussi dans le jeu, on va voir ça tout de suite. Hein. Et une nouvelle victoire française au sprint massif, c'est Arnaud Démare qui s'impose ici sur cette troisième étape après la victoire de Nasser Bouhanni à Utah Beach. On a ensuite Cavendish, ben Bouhanni qui fait quand même 3ème, Coquart 4ème. Quel gros sprint français en ce début de Tour de France, ce qui n'a pas trop bien évidemment été le cas dans la réalité. Démare et Bouhanni étant absents et Coquart ayant fait de moins beaux résultats qu'on attendait, même s'il a joué parfois de malchance, comme par exemple à la dernière étape des Champs-Élysées. Regardons maintenant s'il y avait eu des cassures, je suppose que non malgré cette chute. On va retrouver Nibali, Kangert. Moi j'étais où là? Luis Leon Sanchez, Fabio Haru, on va le retrouver à la 62e place. Quintana était derrière, on l'a vu passer. Mais oui, regardez, pas de temps comptabilisé. Si, quand même à partir d'ici, mais ça devait être délâché précédent. Et je suppose qu'on est dans les 140e place, il ne doit pas y avoir... Ah si, Adam Yates, regardez comme c'est moche. Adam Yates qui s'est fait prendre dans une cassure. Mais bon, ça c'est bien le type de coureur qu'il fera plaisir de contrôler après la mise à jour. Suite à ce beau Tour de France qu'il a fait, il risque d'être un peu augmenté, même s'il est déjà très fort avec un 80 en montagne. Mais géré par l'IA, il n'est pas terrible. Hein. Regardez, là, il est dans la cassure. Ça doit être le seul, entre guillemets, favori qui en fait partie. Ou non, regardez, Valverde à 7,06. Alors ça fait mal. Hein. Ça veut dire que Quintana sera entièrement le leader de l'équipe Movistar sur ce tour. Bon, très bien. On va pouvoir se retrouver. Eh bien, on est deuxième. On est deuxième parce que Valverde, ben ouais, il s'est pris tellement de temps que il glisse dans ce classement général. Donc, on va pouvoir se retrouver sur l'étape de Limoges. Et à 4 km de l'arrivée à Limoges, et bien même combat hein, sur ces étapes plates de transition. Seulement là, je vois, il y a Chavanel devant à 30 secondes, mais ce qu'il y a, c'est que 2 km 4 de l'arrivée, j'ai peur qu'il craque le français, ça aurait été beau.
J'aurais bien aimé voir une victoire de Sylvain Javanel là dans le jeu. Mais je crois que ça va être dur pour lui. Hein. C'est la flamme rouge. La flamme rouge pour l'échapper. Elle ne devrait pas il a 30 secondes. Ah, quoique, s'il craque pas là. Plus que 500 mètres. Non, en tout cas, il faut pas qu'on craque. Ah oui, ça peut être bon pour Sylvain Javanel. Ça va être bon. On le voit tout au fond. Il peut lever les bras et s'imposer. Oh non! Oh non, il a craqué dans le final. C'est Peter Sagan qui s'impose. Et bien donc, Peter Sagan qui s'impose devant Bouhanni, toujours très bien placé hein, dans ce début de tour, devant le pauvre Sylvain Javanel qui a dû se faire manger à 20 mètres de la ligne, tel qu'on l'a vu au loin. Et pour nous, en tout cas, l'équipe Astana, Nibali 12e, d'accord, ok, pourquoi pas. Et nous, ben, pas de cassure, hein, Tirana Ongo. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas eu cassure nulle part. On défile. Non, tout le monde arrive dans le même timing. Ce qui fait qu'on est toujours deuxième au général. Et attention, parce que là, on arrive sur une étape qui peut avoir son importance pour le général, le Lioran. Et on se retrouve donc dans le pas de Pérol. En échappée avec Rosa, que j'ai mis à l'avant, mais il est qu'à 1 minute 40 du peloton. Hein. Je l'ai mis à l'avant, il pourra me servir de point d'appui. Il a largué d'ailleurs ses compagnons d'échappée. Il y avait Federico là qui a lâché récemment. Et là, nous, avec mon peloton, eh bien, j'ai bien envie de faire un petit peu comme dans la réalité, c'est-à-dire que Nibali, eh bien, il va lâcher l'affaire. Hein. On va garder qui avec nous ? On va demander à Lutsenko, Grivko et Luis Leon Sanchez d'arrêter aussi de s'accrocher. Et on va prendre la main avec Fabio Aru. Et par contre, on va peut-être demander à Fulsang et Kangert. Et bien d'aller donner un petit rythme intéressant à l'avant du peloton, aller un petit 80. On n'est pas obligé d'essayer de revenir non plus complètement sur l'échappée. Okay. Mais là, on finit tranquille. Avec la succession des petits cols qu'il y a ici en Auvergne, qui avait fait mal, hein. Première étape avec, on peut dire, un petit peu de montagne quand même sur ce Tour de France, elle avait fait mal à pas mal de coureurs. Dans la réalité, bien là, on va peut-être essayer de faire pareil. Ne comptez plus sur lui. Échapper, un peu de chance d'aller au bout, les gars. Peloton de 93 coureurs, simplement, ça y est, Nibali, il se fait lâcher. Comme dans la réalité, ça lui permettra peut-être après d'aller dans certaines échappées, éventuellement, le cas échéant. Et nous, on va demander, ben, Fulsang, d'ailleurs, plutôt que de relayer, de nous protéger. Parce que le but, c'est pas de revenir tout de suite sur une Rosa. Donc là, on va lui demander à Kangert, lui, de rester dans le groupe. Ok, je viens de protéger. Donc, voilà, je trouve qu'on est pas mal, hein. Bonne configuration de course. On a deux coéquipiers forts en montagne avec nous. On est leader virtuel, allez, on continue comme ça, allez. On est leader virtuel parce que, ben ouais, Backlands, qui était le maillot jaune, il ne suit plus, là. Donc, pour le moment, on est pas mal. L'écart qui remonte, hein, d'ailleurs, avec Rosa. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans cette étape. Et à 1 km à peu près du sommet du col du Pertus, toujours avec Fulsang en protection, je suis avec Aru. Rosa, il a plus grand chose d'avance, hein. Il a à peine une minute. Dan Martin qui est un peu plus haut là. Groupe Dan Martin, deux coureurs. Attention, il y en a un qui coince là, un coéquipier de Froome. Il y a Woodpulse qui s'est engagé dans la bataille. Il y a Valverde, il y a Pino. Bien joué, les gars. Ah, Rosa qui prend la tête du maillot à poids. Tiens, Dan Martin, on le voit là, il est pas très loin. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Moi, je crois que j'ai perdu Fulsang.
Là, il faut qu'on assure dans cette descente, en tout cas récupérer du bleu. Essayer de revenir sur les coureurs à l'avant, là. Bon, Valverde, c'est pas trop des dangers au général, quoi qu'il y a quand même Pinot, hein, mais bon. Ça y en est revenu dans le bon groupe. Il y a Pocco Mollema aussi. Ah, c'est Quintana, je croyais que c'était Valverde. Valverde, il est un peu plus loin avec Dan Martin. On les a pas encore récupérés alors que Fuglsang arrive à revenir nous aider. Je n'ai pas réussi à prendre sa roue là. Et Rosa qui va se faire manger par Valverde. Et Dan Martin, a priori, j'ai pas le temps de me préoccuper de ce qu'il fait. Roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Et je vous propose qu'on se retrouve eh bien, dans le final de cette étape. Et je reprends vite la main puisque Warren Barguil. Il est parti à l'attaque avec l'échappée. Une minute. Au moment même où Rosa s'est fait déposer par Dan Martin et Valverde. Donc à 5,8 km de l'arrivée, on va essayer de suivre les attaques de Pouls qui doit travailler pour son leader. Mais quoique, on a vu que dans les arrivées pour Puncher, c'était pas vraiment le cas. Wood Pouls y joue un peu sa carte perso. Attention, on s'est mis un peu dans le rouge là. 2 km pour l'échapper. Et on va demander une contre-attaque à l'avant du peloton. À Rosa ben, de m'attendre hein, finalement. D'accord, je t'attends. Il y a 4,5 km, Nairo Quintana qui se découvre. Froome qui suit. Nous on bouffe tout notre bleu, tout notre ravitaillement de gel bleu. Plus qu'un kilomètre avant le sommet et on ne sait toujours pas qui va s'imposer. Et on peut prendre notre ravitaillement de rouge aussi. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Et oui, ils ont 53 secondes d'avance, hein, les hommes de tête. Dan Martin et Alejandro Valverde. Les hommes de tête basculent vers l'arrivée. Ils vont sûrement devoir se... Là, le groupe, il est rétréci, hein, le groupe des favoris. Très, très, très rétréci. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. L'arrivée sera jugée au bout d'un faux plat montant de 600 mètres. Oh, il passe maintenant à l'offensive. Et Fabio Aru qui est quand même dans les bonnes places. Hein, au moment du passage à la flamme rouge. L'échappée est sous la flamme rouge. Elle doit bien gérer la boxe pour essayer de gagner. On est avec Nairo Quintana, Pocco Mollema. On va faire cinquième de cette étape, hein, je pense. Il vient de tomber. Oui, il risque de perdre du temps en général. Romain Bardet qui arrive, Contador Froome. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart en général. Recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Et oui, Rosa, comme prévu, qui prend le maillot à poids, même si son échappée n'a pas pu aller. Mais pour l'instant, il peut savourer. Les résultats donc de cette étape du Lioran. Le Lioran. Dan Martin qui s'impose devant Valverde dans le même temps, Pocco Mollema devant Quintana, devant Aru, tout ça à 36 secondes. Ensuite, un petit peu plus loin, hein, 12 secondes derrière quand même, on retrouve le groupe Bardet, Contador, Froome, Wood Pouls, Richie Porte. Eh bien, ils sont pas nombreux, hein. Zakarin, Rosa, mon coéquipier, Rezinc et Warren Barguil. Après, ça perd encore un peu plus de temps. Regardez, Pierre Roland à 1,11. Rodriguez à 1,26. En termes de favoris, on a Pinot qui perd à 1,32. Ça fait mal hein, quand même pour lui. Spilak Van Garderen à 2,08. Mathias Franck aussi, hein, le leader de Yam, 2,24. J'aimerais bien faire un tour avec la Yam d'ailleurs avant la mise à jour. Parce qu'à mon avis, Mathias Franck il va être bien baissé. Uran aussi qui a perdu du temps. Bon. Voilà ce qui nous donne au niveau du général Dan Martin qui prend les commandes. 13 petites secondes devant Fabio Aru qui reste deuxième du général même s'il y a eu des changements dans ce top 10. Avec l'entrée, ben non l'entrée, il y a Quintana qui est toujours là. Oui il a fait plus 7 quand même, hein. Contador qui garde cette place. Partez à la Philippe, il y a Froome qui doit se rapprocher un peu. Oui plus 5 à 1,14. Mais on a toujours plus d'une minute d'avance sur Froome. Oh voilà, on a pris le maillot à poids, maillot de leader, donc ça fait de la récup. C'est de bon augure pour la suite.
pour la suite qui va se passer à Montauban. Et on se retrouve dans le final de cette étape à Montauban. Malheureusement, une échappée avec Wislan Sanchez qui aurait pu aller au bout. Mais ce ne sera pas le cas, regardez. On s'est fait manger à 1,6 km de l'arrivée. Moi, normalement, j'ai Fabio Aru qui est bien protégé par Lutsenko. Voilà, Lutsenko, il est là. Ça veut dire que c'est Fabio Aru derrière. Bon, ben voilà, ça aurait pu. Mais ça ne l'a pas fait dans les derniers kilomètres. Et c'est Degen Kolb, le sprinter allemand de la Giant Alpecin, qui s'impose dans la réalité. Il n'a pas pu faire mieux que quatrième, je crois. Bien handicapé, potentiellement encore, en tout cas, sa préparation bien amputée comme son doigt, mauvais jeu de mots, dans l'accident qu'ils ont eu à l'entraînement, l'équipe, en début d'hiver, je crois. Bref, on a quitté le deuxième. Bouhanni, encore toujours très performant dans ses sprints massifs de ce tour-là. Encore une très belle place d'honneur. Et je regarde rapidement Fabio Aru qui est bien dans le même temps. Et est-ce qu'il y a eu, puisqu'il y a eu une cassure, une chute massive, bon, ça n'a pas l'air d'avoir impacté beaucoup de monde. Moi, j'ai demandé à pas mal de mes coureurs, comme on a vu ici, de décrocher dans le final hein, pour mieux récupérer, surtout en vue de l'étape de demain. Étape de demain, première étape des Pyrénées, l'île Jourdain, lac de Payolle avec l'ascension du col Aspin. Et on se retrouve au col d'Aspin avec Fabio Aru. J'ai demandé à tout le monde de finir tranquille sauf à Fulsang. Pour lui, je lui ai demandé de rouler à fond, mais il peut pas trop là. Il n'y arrive pas trop. De fait, nous, on va y aller tout seul avec Fabio Aru. On a Dan Martin qui est parti à l'avant, le maillot jaune en personne. 34 secondes d'avance. Hein. Il est avec qui d'ailleurs? Il est avec Romain Bardet. Et Fabio Aru, c'est pas évident pour lui de suivre ce rythme d'ailleurs. Alors qu'on est à 10 km de l'arrivée. Mais ça a l'air d'être dur pour tout le monde hein, dans ce premier col de catégorie 1 de ce Tour de France. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le. Et il faut savoir, comme vous pouvez le voir là, on a un mauvais état de forme avec Fabio Aru, ce qui est dommage. On va prendre du ravitaillement rouge. Attaque. Pour pouvoir attaquer un petit peu plus. Pour le moment, on est quand même avec Quintana, Froome, on est quand même avec les deux gros favoris de ce Tour de France. Contador aussi est présent. Avec moins de 30 secondes d'avance, à 1 km du sommet, l'homme de tête ne devra pas faiblir s'il veut s'imposer aujourd'hui. On va prendre notre ravitaillement de bleu. Ah, Fulsang, il est toujours là, ça m'embête. Finalement, comme il ne peut pas m'aider, on va lui demander de ne pas s'accrocher. On va continuer notre effort depuis avec Fabio Aru. Titre de champion du monde chez les espoirs, Arnaud Démare est un sprinter très attendu, mais ses performances sur on a lâché un petit peu le peloton, c'est Froome qui fait l'effort pour venir. Sur les pavés. Voilà le classement du dernier grimpeur. On en remet une petite couche. Ça y est, l'Aspin vient d'être franchi. C'est maintenant la descente jusqu'à la flamme. Et là on accélère. Attention, il attaque maintenant. Attention, ça attaque en tête du peloton. Il passe à l'offensive. Ah, il y a un petit écart qui a été fait, c'est pas mal. 5 km de l'arrivée, le rouge qui revient vite. C'est un candidat à la victoire finale. On relance dans cette descente. Dan Martin toujours à l'avant, attention à ce virage. Enchaînement de deux gros virages là. Plus que 2 km pour départager les hommes de tête. Ce virage, il est très compliqué dans le final là. Pour le moment, on est 6e. Qu'est-ce que ça dit derrière?
Alors que le maillot jaune va peut-être s'imposer avec Romain Bardet dans sa roue. Allez, on continue. Et non, c'est bien Romain Bardet, le Français, qui s'impose. Derrière, on a quelques secondes d'avance sur le groupe des favoris. Valverde Mollema ou Warren Barguil. Ah, il va peut-être y avoir 10 secondes avec le groupe des favoris Contador, Froome, Quintana. Alors, les résultats. Au bout de cette première semaine de tour sur cette première étape des Pyrénées, arrivée au lac de Payol, pour cette dernière étape donc de cette vidéo, on fait une sixième place avec Aru derrière des coureurs en excellente forme ou très bonne forme, hein, comme vous pouvez le constater. On a Romain Bardet en excellente forme qui s'impose devant le maillot jaune. Dans la même seconde, Dan Martin qui fait un très bon début de tour. Hein. Valverde qui suit à la troisième place. Bauke Mollema, Warren Barguil qui complète le top 5. Et nous, Fabio Aru, on fait avec notre mauvais état de forme, hein, malheureusement. Sixième à une minute cependant. On peut voir qu'on a pris 22 secondes quand même, c'est intéressant. Sur les autres gros favoris que sont Contador, Froome. On doit avoir Quintana aussi, Roland. Tout ça, c'est à 1,22. Spilak et Zakarin, les deux coureurs de la Katusha. Richie Porte qui perd un petit peu plus, tout comme Thibaut Pinot. Hein. Il perd 8 secondes par rapport au groupe Froome. Et puis après, ben, ça devient anecdotique. Donc ça nous donne, en fin de cette première semaine de tour, un classement général comme suit. Avec Fabio Aru qui descend d'une place au général, qui était deuxième, qui est maintenant troisième derrière Dan Martin. Et Romain Bardet qui fait un beau plus 6 hein, grâce à cette victoire d'étape ici au lac de Payol. Donc Romain Bardet à 59 secondes de Dan Martin, nous à 1,19. On retrouve ensuite Bauke Mollema, Warren Barguil, Wout Poels, Quintana donc, qui est à 2,19, donc une minute derrière nous. Contador un petit peu plus encore et Froome encore plus. Il est à ben oui, il est à 1,20 à peu près, 1,23 je crois pour être exact. Donc effectivement, on perd une place, on est toujours sur le podium du tour pour le moment, mais on a grignoté encore un petit peu de temps sur les trois gros favoris, on va dire que sont Nairo Quintana, Contador et Christopher Froome qui sont donc qui se suivent hein, au général 7, 8 et 9. Richie Porte qui termine, qui clôture ce top 10. Et ensuite, hein, on retrouve d'autres couleurs avec Coureur, avec Thibaut Pinot, décevant quand même au bout de cette première semaine de tour. Un petit peu comme dans la réalité, même si là c'est moins catastrophique, il est 15e à 3,18. Voilà en tout cas pour cette première semaine de Tour de France avec l'équipe Astana et Fabio Aru en leader. Sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour et la deuxième semaine.